la veille de la procession beaucoup plus ancienne des Saintes Marie, leur a permis d'amener eux aussi Sainte Sarah, la statue de Sainte Sarah à la mer. C'est en effet de nos côtes provençales qu'est né le christianisme porté par des chrétiens d'Israël, du pays de Jésus, dont les Saintes Marie, dont Sainte Sarah, servante des Saintes Marie. Le pèlerinage des Saintes Maries s'est déroulé cette année sous une chaleur torride avec une foule de plus de 35 000 personnes et 10 000 fidèles. Sainte Sarah a été fêtée comme il se doit, en chanson et en son des guitares. Nous avons eu la chance d'être invités en fin d'après-midi à un show très flamenco par les meilleurs musiciens gitans. Vous le verrez dans ce reportage très animé. Antonio Cortés, bonjour. Tu me parlais de la différence entre la rumba et le flamenco. Bon, toi, tu es un musicien de flamenco. Absolument. Moi, je suis andalou, je suis gitan andalou. Et la rumba, c'est la rumba. C'est difficile, c'est très joli à entendre, c'est merveilleux. Ben, la preuve des Gypsy Kings, ils ont fait le tour du monde avec ça. Ils ont toujours autant de succès. Mais le flamenco, c'est très, très, très difficile. Et j'insiste. Notamment la solea, la buleria, la sigueria, le taranto. C'est ce qui est le plus difficile au monde dans le chant, le chant gitan. Hein. Alors moi, vous me faites une interview là, hein, parce que bon, vous m'avez attrapé ici, je suis sur Sainte-Marie de la Mer, étant donné que je suis gitan andalou. Je suis le compadre de Tomatito, du plus grand guitariste du monde. Donc je suis son compère. C'est-à-dire quand on est compadre, ça veut dire que l'on est parrain d'un de ses enfants. Moi j'ai une filleule qui a 18 ans et c'est sa fille. De ce grand monsieur qui est un seigneur que je salue. S'il le voit, lo saludo. S'il me ve, lo saludo, il lo abrazo parce que c'est un grand bonhomme.